Bezrat Hashem, parashat Vaetchanan. Et à la parasha de la semaine, il y a dans la parasha de la semaine le Kriyat Shema. Alors dans le Kriyat Shema, on dit Ve'avtet Adonai Elohecha bechol levavecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, chol nafshecha de toute ton âme, chol meodecha de tous tes moyens, de tous tes moyens. Vayu adevarim ha'el asher anochi mitzavecha hayom, et seront ces choses que je t'ordonne aujourd'hui, alevavecha, sur ton cœur. Veshinan tam levanecha, et tu apprendras ça à tes enfants, pour apprendre ça à tes enfants. Et dibar tabam, tu parleras d'eux, de ces paroles-là de Torah. Veshivtecha bevetecha, quand tu seras dans ta maison, lorsqu'il sera vederech, en chemin, ou pshorbecha, quand tu te coucheras, en te couchant, ou pkumecha, en te levant. Ça, c'est la kriyat shema. Et il dit Rashi, que au début on dit Ve'avta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et il dit Rashi, comment tu vas l'aimer? Ken Mahu Ahava, qu'est-ce que c'est cet amour là que tu dois aimer ton Dieu? Et il dit Rashi, Vayu advarim ha'ele, que ces paroles là ils soient sur ton cœur. C'est la suite du pasouk. C'est un pasouk qu'il a accroché à l'autre. Donc il y a un lien entre le premier pasouk et le deuxième pasouk. Le premier pasouk qui nous dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Et comment tu l'aimes? Qu'est-ce que cet amour là? Vayu advarim ha'ele, que ces paroles là ils soient posées sur ton cœur, que je t'ordonne aujourd'hui, ils soient posées sur ton cœur. Ça c'est cet amour là. Ken, que ces paroles là ils soient posées sur ton cœur. C'est ça l'amour que Hachem il attend de toi, de poser ces paroles là de Torah sur ton cœur, de penser à eux, parler d'eux. Ken, Hachem dit Rashi autre chose, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre que je t'ordonne aujourd'hui? Il dit aujourd'hui il faut que les paroles de Torah ne soient pas comme une vieille lettre que tu as reçue, au contraire, il faut que ce soit comme une lettre que tu viens de recevoir. Ken, et là que Khadasha Shakol Ratim Likrata. Ken, comme Diokna Mitzvat Amelech Abba Bemirtav. C'est quoi Diokna? C'est une lettre d'un roi que tu reçois. Ken, tu reçois une lettre d'un roi et que là-bas le roi il t'ordonne. Et qu'est-ce que tu dois faire? Et Kriyat Shema, en lisant Kriyat Shema, c'est comme si on recevait une lettre du bon Dieu tous les jours. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasouk, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je t'ai ordonné aujourd'hui. C'est-à-dire que le Kriyat Shema, c'est une lettre qu'on reçoit tous les jours. Et cette lettre-là qu'on reçoit tous les jours, elle doit être pour nous comme une lettre nouvelle. C'est ça que ça va nous apprendre, que ça doit être une lettre nouvelle qu'on vient de recevoir aujourd'hui. Alors maintenant, Rabbi Nathan, Bezrat Hashem Yitbarach, il va nous rentrer dans ses paroles et nous renforcer, Bezrat Hashem Yitbarach. Il pose une question, Rabbi Nathan. Il dit, comme Rashi, en réalité, il pose la question sur le début. Il dit, pourquoi le premier pasouk et le deuxième pasouk qui sont accrochés? Rashi dit, qu'est-ce que c'est cet amour? Ve'avtat Hashem Elokecha, qu'est-ce que c'est cet amour? Et Bayou Advarim Ha'ele, Alevavecha. Ils seront ces paroles-là que je t'ai ordonnées sur ton cœur. Ça, c'est qu'est-ce que c'est cet amour? C'est que ces paroles-là, elles soient sur ton cœur. Comme ça, Rashi, il fait le lien entre le premier pasouk et le deuxième pasouk. Le Rabbi Nathan, il nous fait le lien entre le deuxième pasouk et le troisième pasouk. Il dit, Rabbi Nathan, quel lien il y a? Pourquoi Veshinantam Levanechem, tu apprendras ça à tes enfants? C'est attaché au pasouk que tu que je t'ai ordonné aujourd'hui. Il dit, Rabbi Nathan nous explique, le Zrat Hashem Yitbarach. Pourquoi ils sont attachés ces deux psukim à côté de l'autre? Il dit, parce que les deux sont un. Ces deux psukim là, Shneem Echad. Top psukim là, le premier que je t'ai ordonné aujourd'hui, que ces paroles de Torah elles doivent être de nouveau, comme si on vient de le recevoir aujourd'hui, et le pasouk que tu dois apprendre ça à tes enfants, ces paroles là tu dois les apprendre à tes enfants, mais shinantam levanecha, tu apprendras ça à tes enfants, et dit bartabam, tiens, et ben c'est un. Top psukim là, c'est le même, c'est le même inyan, c'est un. Il dit pourquoi? Rabbi Nathan explique. Kasher anoch metzavecha ayom. C'est Ayom Daika, c'est-à-dire aujourd'hui, Ken, Rabbi Nathan il s'attache au mot Ayom, que je t'ai ordonné aujourd'hui.
C'est-à-dire que ces paroles de Torah qu'on reçoit dans Kriyat Shema, cette lettre-là qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu tous les jours, il y a marqué dedans Asher Anokhi Metzavecha Ayom, que je t'ai ordonné aujourd'hui. Ayom, il dit Rabbi Nathan, Ayom Daika, aujourd'hui. Que Hachem, tous les jours, il nous ordonne de nouveau. Il nous donne une lettre, il nous envoie une lettre de nouveau. Il dit Rabbi Nathan, ça va nous apprendre et nous prévenir. Chez Trichim, les Itgaber, on doit se renforcer tous les jours. Avec un renforcement nouveau. D'accomplir la Torah et les mitzvot. Okay? Il faut se renforcer tous les jours de nouveau pour accomplir la Torah et les mitzvot. Parce que chaque jour, le Yetzer Hara de l'homme, il se renforce sur lui. De nouveau. Le Yetzer Hara, tous les jours, il se renforce de nouveau. Pourquoi le Yetzer Hara, il se renforce de nouveau tous les jours? À cause que chaque jour, on a besoin. On est venu dans ce monde pour faire des tri. Comme on a fauté. Dans l'arbre de la connaissance, on a mélangé le bien et le mal. C'est l'arbre de la connaissance de connaître le bien et le mal. Et on n'aurait pas dû manger de cet arbre-là. Okay? Quand Adam, nous, on était toutes les Neshamot, ils étaient inclus dans Adam Harishon. Et quand Adam Harishon il a mangé, il a mélangé le bien et le mal, puisque en mangeant de cet arbre-là, on a fait. Il y a plein d'étincelles qui sont tombées dans la Touma, ils sont tombés dans l'impureté. Très très profond. Et nous, on vient dans ce monde, de chaque génération, on revient dans ce monde pour faire ce tri-là. Okay? Faire ce tri. Alors, il dit que chaque jour, on doit faire des tris nouveaux. Okay? Hier, on a trié. Alors, il y a eu des tris spéciaux qui ont été faits. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux tris à faire. Je t'apporte chez moi là. Okay? Hier, on a fait des tris. Il y a eu plusieurs impacts avec nos mitzvot qu'on a fait en faisant les mitzvot. On a fait des tris, on a élevé des étincelles. Et les étincelles qu'on a élevées hier, et ben aujourd'hui, elles sont déjà élevées. On a des nouvelles qu'on élève de profondeurs. Grâce aux mitzvot qu'on fait, il y a des nouvelles étincelles qui se relèvent des profondeurs de l'impureté, qui ont été prises là-bas emprisonnées dans la Touma, dans l'impureté en profondeur. Et grâce aux mitzvot qu'on fait, à chaque fois on élève, on sauve, on libère des étincelles. Donc il y a tous les jours de nouveaux tris à faire. Tous les jours il y a de nouveaux tris. Comme il y a tous les jours de nouveaux tris à faire, il y a à chaque fois qu'il y a un tri à faire, il y a autour de ça une klipa, une écorce. C'est quand quelqu'un, par exemple, est en train de faire le ménage à la maison, il est en train de nettoyer quelque chose. Quand on fait un tri, on est obligé de se salir. Quand on fait un tri, on nettoie quelque chose. Comme ces étincelles, on peut les représenter par exemple comme des diamants, par exemple, ils sont dans la boue. On ne pourra pas les enlever de là-bas, surtout s'ils sont très profonds, sans se salir. On est obligé de se salir, de rentrer dedans et de sortir. Alors à chaque fois qu'on touche le bien, on élève les étincelles de Kdusha, on les élève de l'impureté, on est obligé de se salir. Le Tserara, il est là, à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un nouveau tri, à chaque fois qu'on élève quelque chose de nouveau, une nouvelle étincelle, il y a toujours autour une écorce, c'est le Tserara, et qui se renforce contre nous à chaque fois. Puisqu'à chaque fois, on élève une nouvelle étincelle, à chaque fois, on a quelque chose de nouveau à relever. Alors, puisqu'on a quelque chose de nouveau à relever, il y a aussi un Tserara autour. Le Tserara autour. Donc on est obligé de passer devant ce Yetzirah et de se confronter devant ce Yetzirah pour pouvoir élever cette étincelle. Ken. Et on a dit Rabbi Nathan, Ken, ce soit des Kdusha n'a plus BMK à Klipot, il dit les étincelles de Kdusha, ils sont tombés au profondeur des écorces de la Touma. Ken, au Mechamat, chez Bechol Yom Shag, puisque tous les jours on a besoin de faire de nouveaux tris, des profondeurs de la Touma. Ah, c'est pour ça qu'à chaque fois, il se renforce le Yetzer Hara de nouveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle étincelle, on doit monter, on doit se confronter devant la Touma qui entoure la Kdusha, qui entoure les étincelles. Donc, c'est pour ça qu'à Torah, elle nous demande « Asher Anokhi Mitzavecha Ayom » que je t'ai ordonné aujourd'hui. « Ayom Daika » aujourd'hui, je t'ai ordonné aujourd'hui. « Hashem Midbar » aujourd'hui nous ordonne. Okay? Comme les Chachamim nous ont dit, tous les jours, il doit être à tes yeux les paroles de Torah, de nouveau. Kechadashim, comme c'est quelque chose de nouveau, comme si on va recevoir quelque chose de nouveau. Mais mettre quelque chose de nouveau, parce que les paroles d'hier de Torah qu'on a eu hier, ça avait un impact.
différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nouveau, c'est complètement nouveau. Aujourd'hui, on a une nouvelle guerre contre un nouveau Yetzirah qu'on ne connaissait pas hier, avec des nouvelles étincelles. Ce qu'on devait trier hier, c'était des autres étincelles. Aujourd'hui, on doit trier des nouvelles étincelles. Et à chaque fois qu'on trie, quelque chose qui est encore plus profond, c'est encore plus sale. On a besoin toujours de se renouveler. Les mêmes paroles qu'on a étudiées hier, et bien aujourd'hui elles ont un impact différent. C'est-à-dire que la mitzvah des tefillin qu'on a fait hier, ou la mitzvah de Dakar qu'on a fait hier, ça avait un impact pour hier, pour pouvoir élever les étincelles d'hier. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. C'est une nouvelle sorte d'attachement à Dieu. C'est une nouvelle sorte de mitzvah. Et même si c'est la même chose qu'on a fait hier, mais même c'est pas la même. Parce que l'impact d'aujourd'hui, il est différent. Ça crée quelque chose de nouveau. On élève quelque chose de nouveau. Alors même comment on a compris hier le Kriyat Shema, si on lit ce livre, cette lettre hier, et aujourd'hui on lit de nouveau, ce qu'on avait compris hier, on pas forcément qu'on va comprendre aujourd'hui, il faut la relire de nouveau, comme si on vient de la recevoir. Parce que selon la journée, selon le tri de la journée, Ken, on a besoin de recevoir de nouveau sur nous tout le service d'Hachem et de Barak, de recevoir sur nous de nouveau à servir Hachem. Comme si on vient de recevoir la Torah aujourd'hui. Mais Vadaï dit vrai, Torah Em Khadashim, Amash, Bekholiam Vayom, il dit, c'est sûr que la parole de Torah, ils sont nouveaux à chaque jour. Il dit vrai à Torah, Shem, Khinat, Alat, Nefashot, Mitrachim, Bekholiam Vayom. Ces paroles de Torah, elles sont pas vieilles. Elles se renouvellent. Ça veut dire que même c'est ce qu'on est en train d'étudier là, ces paroles de Rabbeinu, même si on l'a fait hier et on l'a fait avant-hier, aujourd'hui ça vient nous parler pour quelque chose d'autre. Il se renouvelle, c'est quelque chose de renouvelé, pour se renouveler. Ken, je rappelle qu'une fois on avait demandé à un ami, il dit qu'est-ce que c'est se renouveler? Qu'est-ce que c'est se renouveler? Comment on peut voir? Il dit, regarde à une heure quand tout le monde vient s'asseoir devant la table quand ils vont manger. Ou comment tout le monde se renouvelle, comme si ils n'avaient jamais mangé ce qu'ils ont mangé là, comme si la première fois ils s'assoient tous sur la table avec enthousiasme, ils s'assoient et ils mangent de nouveau, comme si ils n'avaient jamais mangé de leur vie. Chacun il se renouvelle. Pourquoi tu manges tous les jours? Des fois tu peux manger pendant plusieurs années le même repas, le matin, le petit déjeuner, c'est le même. Pourtant à chaque fois pour toi c'est comme si quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que t'en as marre, ou alors des fois tu cherches un peu de nouveauté, mais même Ken, Bémet, on arrive à se renouveler. Le Tzara, il sait se renouveler. Le Tzara, il sait se renouveler dans les choses, même des choses simples comme ça, comme un repas, par exemple, le petit déjeuner le matin. En général, c'est presque toujours la même chose. Après, tu changes, mais c'est presque la même chose. On voit que toujours, on peut faire ça, se renouveler. Mais on doit apprendre du Tzara. Qu'est-ce que ça veut dire de se renouveler? Comment se renouveler dans le service de Dieu? Comment se rapprocher d'Hachem Yitzbar de nouveau? Comment faire de nouveau cette mitzvah? De savoir que cette mitzvah, ce qu'on a fait hier, c'était une autre chose. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ce qu'on a fait hier, comment on a fait hier la mitzvah de Tzedaka, comment on a fait hier la mitzvah de Tefillin, comment hier on a prié à Hachem, on a parlé avec Dieu, comment hier on a dit la prière, comment on a dit le Kriyat Shema, c'était autre chose. Aujourd'hui c'est nouveau, aujourd'hui on a des nouvelles étincelles à élever. Notre Neshama elle est différente qu'hier. Hier on a fait un détri, donc on a agrandi notre Neshama. Notre Neshama elle a changé par rapport à hier. Aujourd'hui on a une nouvelle Neshama. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des tri, on élève notre Neshama, elle devient plus grande. Donc on a des nouveaux tri à faire. Aujourd'hui on doit faire ça de nouveau. Tiens, les Antachem Yitzbarach. Savoir se renouveler, mettre dans la voie d'Hachem. Rabbi Nathan nous dit, on est obligé. Pourquoi? Si on reste avec le même chose qu'hier, avec le même Kriyat Shema d'hier, sans se renouveler, lui, il s'est renouvelé. Puisqu'il y a un nouveau tri, donc il y a un nouveau etc. Si on ne se renouvelle pas contre lui, on tombe obligatoirement. On est obligé de recommencer de nouveau. On est obligé de reprendre, de servir Hachem de nouveau. Parce que lui, il se renouvelle de toute façon. Le etc. il se renouvelle de toute façon. Il dit, et Rabbi Nathan, c'est pour ça que c'est attaché la mitzvah de Asher Anochi Mitzavecha Ayom que je t'ai ordonné aujourd'hui à la mitzvah, tu apprendras à ça à tes enfants. Pourquoi? Quel rapport ça a entre les deux? Parce que c'est le même inyan. Comme tous les jours on doit faire des tri nouveaux, aussi de génération en génération on doit faire des tri nouveaux. Donc l'essentiel c'est de passer le relais à la génération qui vient, c'est-à-dire à nos enfants. Qu'ils continuent de nouveau, de recommencer de nouveau. Tu apprendras ça à tes enfants.
c'est même le même minyan que Asher Anorim et Tavecha Ayom, que je t'ai ordonné aujourd'hui. Comme on est obligé de se renouveler tous les jours, aussi les générations sont obligées de se renouveler parce qu'il y a des nouvelles étincelles que nous, on a fini. Maintenant, il y a des étincelles qui appartiennent à nos enfants, qui doivent revenir dans ce monde et qui appartiennent à eux, pas à nous. Donc, on est obligé de, comme nous, on est obligé de se renouveler tous les jours, et on n'est plus le même comme hier. Hier, on était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on est quelqu'un d'autre. Bien, maintenant, si on ne voit pas ça, bien, il faut le croire. Croire à ceux qui ont. Ceux qui le voient, par exemple. Non. Comme quelqu'un, même si on ne voit pas, on doit croire à ceux qui le voient, Baruch Hashem. Comme un aveugle qui a confiance à son bâton ou a confiance à son chien. Des fois, un aveugle, il ne voit rien, mais il a confiance à son chien, il l'amène. Et nous, à plus forte raison, qu'on doit avoir confiance au tzadik, que lui, il voit tout, Bémet. Même si nous, on ne voit pas, Bémet, qu'on est des gens nouveaux à chaque instant. Et à chaque jour, on se renouvelle complètement, on est quelqu'un de nouveau. Bémet, on doit croire au tzadik. Le tzadik, lui, il voit tout ça, Baruch Hashem. Il voit que Bémet, à chaque instant, c'est quelque chose de nouveau. Le monde entier, il est quelque chose de nouveau. Toutes les étincelles du monde, ils sont nouveaux. Il y a des nouvelles étincelles, des nouveaux trucs, des nouveaux. Tout est nouveau. Mamash, nous, même si on ne voit pas ça avec les yeux, mais on peut même le voir avec les yeux. Sauf qu'on voit que la génération d'avant, c'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Il y a des autres choses qui ont été faites, qui ont été créées, qui ont été renouvelées. On le voit, Mamash, que c'est pas la même chose. Le monde il y a 50 ans, le monde maintenant, c'est pas le même. On voit que Bémet, le monde il se renouvelle à chaque fois. Et bien Bémet, encore plus en spirituel, le monde il se renouvelle à chaque instant, Bémet. Ce que ça veut dire que le monde il se renouvelle, c'est qu'il y a de nos autres étincelles. Quelque chose qu'on a fait, on a fait un tri de quelque chose, et bien cette chose-là, elle a changé d'étincelle, elle a changé de couleur. Bémet, nous on ne peut pas voir ça avec nos yeux, on ne voit pas. Et le tzadikim, ils voient ça, Mamash, nous on peut croire au tzadikim, on croit au tzadikim qu'ils voient ça, Baruch Hashem. On croit que le monde entier se renouvelle à chaque instant et qu'on fait une mitzvah. Ce qu'on a fait hier, c'est autre chose. C'est une autre mitzvah, ça avait un autre impact. Il y avait une autre guerre. Aujourd'hui, on a une guerre nouvelle à faire contre les terres. On a des nouveaux étincelles à élever, on doit combattre quelque chose, une nouvelle écorce qui est autour d'une nouvelle étincelle. Un nouveau truc à élever, un nouveau truc à faire. Okay. Chaque jour, c'est quelque chose d'autre, quelque chose complètement d'autre, complètement différent. Et chaque génération aussi. Faut apprendre la Torah aux nos enfants, c'est pour leur apprendre, pour leur dévoiler la grandeur de Dieu, de génération en génération, pour que ce tri-là, il se finisse. Parce que nous, on ne pourra pas le finir. On peut finir ce qui nous appartient à nous, on doit passer le relais à nos enfants pour qu'ils finissent ce qui appartient à eux. Comme ça, on peut finir tous les tri. Et après, comme ça, le Mashiach il peut venir. C'est une question qu'on a posée. Comment ça se fait si le Mashiach il n'est pas venu au moment de, par exemple, de Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim. Et le Mashiach il n'est pas venu. Mais il y avait d'autres générations qui étaient des grands tzadikim, mais le Mashiach il n'est pas venu. Comment il va venir aujourd'hui que nous on n'est pas tzadikim comme nous? Et on répond ça avec une parabole. Comme un roi qui voulait gagner une guerre, il y avait une muraille très très forte. Et il a envoyé ses guerriers les plus forts pour briser cette muraille. Les guerriers sont venus, ils ont frappé sur la muraille. Chaque la muraille, elle s'est fendue, mais à l'extérieur on voyait rien. Mais à l'intérieur c'était déjà un peu brisé. Après il a envoyé des autres guerriers un peu moins forts parce que les premiers ils étaient tous morts, tellement qu'ils frappaient sur la. Ils n'avaient pas réussi à briser, ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus. Il a envoyé des autres guerriers. Ils ont commencé à frapper sur la muraille, Et les mecs, l'extérieur, on voyait pas que la muraille elle a été endommagée. Mais à l'intérieur, ça commençait à être fendu. Et après, quand il n'avait plus personne, il n'y avait plus de guerriers, il a envoyé les enfants, les femmes, les vieux. Ils sont venus, ils ont frappé sur la muraille, je crois qu'ils ont fait tomber la muraille. Alors, comme ça que Bémet dit, Rabbi Avram, Ben Rabbi Nachman, il dit que le Mashiach va venir de cette façon. C'est que nous, les tzadikim, les points tzadikim, ils ont commencé à faire une grande guerre contre les terras. Et ils ont lutté, ils ont élevé les plus gros étincelles, ils ont fait tomber les terras. Le plus gros terras, ils ont fait tomber, ils ont nettoyé. Après ça, ils sont arrivés d'autres tzadikim. Et aujourd'hui, vers la fin, avant que le Mashiach vienne, Hachem il envoie les enfants, les vieux, les femmes, c'est ce que nous on représente. Ces gens-là, les gens faibles, simples, on sait pas servir Hachem comme autant de Moshe Rabbeinu ou comme autant de patriarches, tout ça. Mais eux, ils ont fait l'essentiel du travail. Nous,
On n'a plus beaucoup grand chose à faire. Avec s'attacher au tzadik. Et déjà tout est fendu, on doit juste frapper un peu sur la muraille pour la faire tomber. Okay. Alors bon, Hachem, comme ça, c'est ça, plus on fait à chaque fois qu'on est obligé. On est obligé de faire notre travail. Si on finit pas, alors ça se finira pas. On est obligé de finir ce travail. Et Bémet, sur qui ça va être la mitzvah, on la considère pour celui qui finit. Parce qu'elle a été commencée autant des patriarches. Et Bémet, nous, on a le plus grand mérite, puisque ça va être fini par nous. C'est le plus grand mérite que nous, on finit la mitzvah, même si on est les plus faibles, on est bien. L'essentiel, c'est de ne pas se désespérer. Bémet, à la fois, par rapport au tzadik, on va pouvoir tout monter. Plus on élève des étincelles, de sainteté, on élève. Et chaque jour, il faut se renouveler, puisque chaque jour, il y a de nouvelles choses à élever. Donc plus qu'il y a des nouvelles choses à élever, ben, on doit se renouveler nous-mêmes. Okay? On doit se renouveler contre le etc. qui entoure les nouvelles étincelles qu'on doit élever. C'est pour ça que la mitzvah, okay, d'apprendre à nos enfants, qui vont continuer la génération future, aller s'attacher à la mitzvah que je t'ai ordonné aujourd'hui, parce que c'est mamash le même inyan. Kishneem echad mamash. Les deux sont c'est la même inyan. Ki birur anitotot v'anifashot rechim bechol yom day kam echadash. Parce que le birur, le tri des étincelles et des âmes, on a besoin de ça de tous les jours mamash. Ken mechadash. Enfin, tous les jours de nouveau. Et la même chose de génération en génération, chaque jour c'est considéré comme une nouvelle génération, comme c'est marqué que le soleil s'est levé, le soleil il est tombé, il s'est couché, une génération qui vient, une génération qui part. Ça, c'est un peu la même chose. On voit que Shlomo HaMelech il est attaché à un et l'autre, que chaque jour il y a une nouvelle journée qui se fait nouvelle, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Une génération qui part et une génération qui vient. Est-ce que l'essentiel, dit Rabbi Nathan, de ce tri-là, d'étincelle, c'est pour le kavod d'Hashem Yitbarach? Parce que le kavod, dit Rabbi Nathan, c'est la base, la racine de tout. Pourquoi? Parce que le monde entier a été créé pour le kavod d'Hashem, pour l'honneur d'Hashem Yitbarach. Pour que Hashem il se fasse connaître dans le monde. Okay? Et de connaître l'honneur d'Hachem, ça se dévoile tous les jours de nouveau. Que tous les jours, le ciel, Ken, il raconte le kavod, l'honneur d'Hachem. Yom, le yom, y a bien omer. Jour après jour, Ken, il a été, le kavod d'Hachem, il se dévoile. Ken. Yom, le yom, y a bien omer. Tous les jours et jours, on parle le kavod, on parle l'honneur d'Hashem Yitbarach selon le tri des nitzotzot chez Beoto Ayom, selon le tri des nitzotzot de la journée. Car que grâce à ça qu'on fait le tri des nitzotzot, c'est ça le kavod d'Hashem Yitbarach. Comme on fait le tri des nitzotzot, parce que les nitzotzot, les nitzotzot de sainteté qui représentent le kavod d'Hachem, ils sont jetés mamash dans la boue, dans les choses sales. Et en élevant tout ça, on ramène ça au kavod, on ramène ça à sa racine, on ramène ça à l'honneur d'Hachem Yitbarach. Parce que c'est un tri qui est jeté sale dans les mauvais endroits. Grâce à nous qu'on se renforce dans la voie d'Hachem et qu'on élève à chaque fois ces étincelles, et bien ça représente l'honneur d'Hachem Yitbarach. On élève ces étincelles-là de la boue, de la saleté, on les relève vers le kavod d'Hachem Yitbarach. J'ai oprinat chidush maaseh bereshit shebechol yom. Que ça, ça représente chidush maaseh bereshit, ça veut dire le renouvellement de la création du monde. Chaque jour, c'est le monde il se renouvelle. Et comment qu'est-ce que ça représente que le monde il se renouvelle à chaque fois? C'est que le monde il est plus le même. Le monde il se renouvelle, ça veut dire que le monde c'est plus le même. Extérieurement, quand on regarde ça, c'est le monde, il a l'impression que c'est le même, c'est les mêmes bâtiments, c'est le même, tout est pareil. Mais Bémet, la mytho, à l'intérieur, les étincelles ils sont nouveaux. On a enlevé cette d'hier, il y a de nouvelles étincelles qui rentrent, ça passe. Alors donc le monde il est complètement renouvelé. Bémet, celui qui a les yeux pour voir, nous on n'a pas les yeux pour voir, mais on croit à celui qui a les yeux qui voit, au Hachem. Le monde entier, à chaque fois, il se renouvelle. Donc pour ça qu'on. C'est ça que ça rappelle Ken. Hachem Yitbarach, il renouvelle le monde entier à chaque fois. Au Hachem. Alors, c'est pour Hachat va être Hanan.